Alors, bonjour à tous. Et donc, aujourd'hui, je vais lire votre avenir dans le marc de café. Voilà. Donc, pour ça, évidemment, il me faut du marc de café. Alors, attention, il faut pas faire n'importe quoi. Le marc de café doit tomber dans l'assiette d'une façon bien précise. Voilà, on est d'accord. Il faut que ce soit d'une façon très précise, c'est assez sérieux. Il faut le mettre à environ 40 cm de l'assiette. Voilà. Donc voilà. Voilà. Là, je mets le marc de café. Voilà. Et ensuite, je vais rajouter un petit peu d'eau. Parce que il faut un petit peu d'eau. Donc pareil, l'eau aura une trentaine de centimètres, ça ira. Voilà. Voilà, c'est bon. Là, c'est bon. Donc je vais pouvoir commencer à lire votre avenir. À vous qui regardez cette vidéo. Donc là, qu'est-ce que je vois? Là, je vois beaucoup de choses très 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 intéressantes. Là, c'est assez intéressant. Vous êtes un cas assez intéressant. Là, je vois immédiatement, là, je vois une grosse envie d'aller aux toilettes. Là, d'un coup, là, je vois que vous avez envie d'aller aux toilettes. Et là, vous qui regardez cette vidéo, je pense que là, vous êtes en train de vous dire exactement maintenant, mais c'est vrai. C'est vrai, j'ai envie d'aller aux toilettes. Et ça, c'est le marc de café, c'est la magie du marc de café. Moi, j'ai appris ça, c'est une hindoue qui m'a appris ça. Voilà. C'est 4 ans de pratique. J'ai mis 4 ans de pratique. Et après, bon, il faut avoir un don, hein. Il faut avoir un don au départ. Bon, un don que j'ai de naissance. Voilà. J'ai su très très vite que j'avais un don vers l'âge de 4 ans. J'arrivais à visualiser des choses qui allaient se passer, quoi. Effectivement, ça se passait. Alors, là, je vois autre chose, là. Là, il y a autre chose d'assez intéressant. Je vois que vous avez faim. Je vois que vous avez faim, que vous allez bientôt aller manger. Ouais. Mais je vois que vous avez envie de moules. Vous avez envie de moules frites. Ouais, c'est assez clair. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Vous avez envie de moules frites. Exactement maintenant. Ensuite. Là, il y a une opération assez délicate à faire. Voilà. Il faut faire comme ça. Ouais, ça se décompose de façon assez spartiate, j'ai envie de dire. Et ça peut vouloir dire qu'une seule chose. C'est que vous avez un problème veineux au niveau des jambes. Ouais. Et ça veut dire que vous avez les jambes lourdes et que vous avez souvent mal aux jambes le matin. Et pour ça, il faut boire beaucoup de tilleul. Ouais. Vous avez un grand besoin de tilleul. Ouais. Et pour finir. En lisant dans le fond du marc, là c'est là vraiment là où on voit la vie intrinsèque, j'ai envie de dire, presque intra-utérine, hein, si vous voulez. Voilà. Ah ouais. Ah ouais. Regarde, les gouttelettes là, comme elles se sont mises. Ça veut dire que vous allez avoir une très belle vie. Vous allez être très heureux. Et vous allez avoir une très jolie vie. Et tout va bien se passer dans votre vie. Voilà.
à partir de maintenant. Tout à fait. Tout à fait. Même si vous avez eu des problèmes et que vous êtes fatigué, tout va bien se passer. C'est le marc de café, là, est formel là-dessus. Là, je peux vous le dire. Voilà. On le voit très bien avec la forme qui se fait là. Vous voyez? Ça, c'est une forme en avant. Ça veut dire en avant. Ça veut dire vers l'avenir. Vous pouvez voir la flèche là. Voilà. Là, c'est une flèche qui veut dire vers l'avenir. Et là, cette petite boule, ça veut dire que vous avez un gros cerveau. Voilà. Là, ça montre votre cerveau. Ça veut dire que vous êtes très intelligent. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Bon, je ne peux pas en faire beaucoup plus parce que, ben, évidemment, c'est une étude faite par Internet. Hein. Donc, via YouTube, donc il faudrait que vraiment que vous soyez en face de moi pour qu'on fasse une étude plus approfondie. Vous pouvez me contacter hein, si vous voulez, vous me laissez un message. On fera, si vous voulez, une étude plus approfondie. Vous m'enverrez une photo par email et je vous ferai une étude approfondie. On revoit la flèche, hein, on revoit la flèche vers l'avant, qui veut vraiment dire voilà que vous allez aller vers l'avant là maintenant. Ouais, tout à fait. Dans votre vie, là maintenant, ça va aller mieux. Voilà. Là aussi encore on voit un cerveau. Ça, je pense c'est le cerveau de Oui-Oui. Le petit Oui-Oui, le personnage, vous protège. Et veille sur vous. Ouais. Ah ouais. Ah non, mais là, le marc de café est formel. Regardez, là, une impureté. Ah, une petite impureté. Ça, c'est encore... ça, c'est vos problèmes intestinaux. Hein. Ça veut dire que vous avez des problèmes intestinaux. Rien de très grave, hein. Rien de très grave, l'impureté est légère. Donc ça va aller. Voilà. Ben voilà, hein. Donc 4 ans, moi c'est 4 ans de pratique avec une hindoue qui m'a initié au marc de café. Écoutez, voilà, une plutôt de bonnes choses, hein, de bonnes choses. De bonnes choses qui vont vous arriver. Hein. Le marc est formel. Hein. Tout à fait. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt. Et la prochaine fois, on lira l'avenir dans les semelles de chaussures. Voilà. Je prendrai vos semelles de chaussures que vous m'aurez au préalablement envoyées par la poste. Et je lirai votre avenir dans vos semelles de chaussures. Ça doit être des semelles qui doivent être usées. Hein. Ah, évidemment, des chaussures que vous avez portées pendant quand même assez longtemps. Voilà. Je lis aussi dans le bulbe des cheveux. Ouais. Ça, c'est un Auvergnat qui m'a appris ça. Ouais, tout à fait. Bon, bien écoutez, je vous dis à bientôt et bonne continuation à tous. Au revoir.